seul face à la nature et face à être tout seul. Donc ça c'est cool. Demain matin, je serai à 2500 mètres d'altitude, le matin tôt, au lever. Ça va être marrant, on va voir ce que ça va donner. Le sol mouillé comme ça, noir, ça fait toute la diff. Ça fait toute la diff là. Un sol comme ça noir, c'est. En fait, il y a des tournages où il y a des mecs qui mouillent le sol exprès. Parce que là, on a vraiment de la profondeur. On a du sol rouge. C'est-à-dire là, sur une configuration comme maintenant, il faut avoir de la lumière. Pour avoir de la lumière, il faut éclairer avec les LED. Donc les LED sans batterie. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mon premier tutoriel qui est ici. Voilà. Donc là, les LED, on va se mettre sur LED sur batterie, sur une ambiance comme ça. Avec le sol mouillé, et là il va y avoir des reflets qui vont se mettre au sol. Et tout ce qui est rouge derrière, c'est ça qui va faire ressortir. Et derrière, on a de la fumée. Là, je suis tout seul tout en haut. C'est incroyable, il y a le silence comme jamais j'ai entendu. Et putain, on voit pas bien, mais là, on peut voir un peu. Je sais pas si on voit bien sur la GoPro. Le silence, il n'y a pas trop de réseau. Là, franchement, c'est un truc de ouf. Que je parlais, donc c'est en haut où on va aller. La couleur c'est du gris et c'est ça qui fait penser un peu à l'Islande, le côté gris foncé. Là on se croirait vraiment pas en France, mais vraiment pas du tout. Je dirais même que ça peut ressembler à des endroits à La Réunion. Donc là, comme on peut voir les blocs de glace. Ah ouais, c'est vraiment de la poudreuse quoi. C'est de la poudreuse quoi. Ça reflète. Ça pour le coup, c'est un vrai réflecteur. Pour moi, ça c'est une partie en tant que réal qui est importante, c'est-à-dire de partir dans des lieux, partir tout seul. Analyser, regarder la lumière, voir tout, chercher des spots, et là on dirait qu'on est dans un autre pays. C'est un style de vie, c'est. Tu sacrifies une vie pour ça. C'est marrant parce que le sol il est super mou. Qu'est-ce que c'est que ce sol? Je suis vraiment content d'être venu ici parce que on voit vraiment tout. Pas mal de reflets. Beaucoup de profondeur. La terre elle est grise, donc ça c'est quand même lourd. Pour le coup, il y a un silence incroyable. Donc ça y fait aussi. Et voilà quoi. Et ça fait la différence.